Emmanuel, Emmanuel, mon ami Emmanuel.
Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit. Yes! J'ai trouvé un ami. Jésus a fini. Jésus est mon ami. Yes! J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Yes! Oh, qu'est-ce que je t'aime, Jésus? Tu me suffis!
atteindre notre but bancaire. Vous avez même nos coordonnées postales. Regardez si... Je te porte dans mon cœur. Yes. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Hein? Tu es mon yaya. Azam. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh Seigneur, écoute la voix de la femme qui subit en Afrique. Toi qui vois la souffrance de la femme africaine. Toi qui sais la galère qu'elle subit, les injustices dans lesquelles elle vit. Au secours, mon Dieu.
que la femme chrétienne se lève et prie. Nous devons sortir du joug de la souffrance qui pèse sur nous. En RDC, en ce moment, il y a des femmes qui pleurent leurs enfants parce qu'il y a la famine. Depuis ce matin, dans le Kivu, il y a une qui s'est fait violer, mais personne n'intervient. Personne ne crie. Personne ne veut dénoncer ce que vit la femme africaine. Ce jour, 27 mai 2018, certes c'est la fête des mères, mais nous voulons nous lever, nous femmes résistantes et amazones, pour dénoncer les violences dans lesquelles vivent nos sœurs africaines. Nous voulons que Dieu intervienne. Nous voulons que ça cesse. Dieu nous a créés égaux. C'est la femme qui met au monde. Pourquoi est-elle maltraitée, ignorée, oubliée? Ses enfants sont exploités dans des mines, dans des champs. Son mari trouve la mort dans des mines. Son frère est écrasé dans des mines. Les Africains meurent chaque jour et personne ne dénonce. Nous voulons nous lever pour dire stop au massacre en Afrique. Stop au pillage de nos minerais. Stop aux injustices. Stop à la spoliation de nos matières premières par les multinationales, qui sont en complicité avec nos soi-disant chefs d'État. Les populations sont dépouillées. Les populations vivent dans la paupérisation. Et nous, femmes, nous disons non, stop à ces inégalités sociales. Dieu nous a tous créés égaux. Nous voulons un bon partage. Nous voulons que les violences cessent, les injustices, la corruption, que ça cesse. Nous voulons une bonne éducation, un avenir sûr pour nos enfants. En RDC, il y a des familles qui sont dans des forêts, mais personne ne dénonce ça. En RDC, il y a des enfants soldats. C'est inadmissible. La femme chrétienne, la femme résistante dit non. Arrêtez de vous taire. Dénoncer cet état de choses. Nous n'en pouvons plus, nous n'en voulons plus. La souffrance de ton prochain, c'est aussi ta souffrance. Sache alors partager cette souffrance. Parce que le Seigneur dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes un seul et même peuple bantou. Nous devons défendre nos droits. Nous devons pratiquer notre devoir, nous devons défendre notre honneur aujourd'hui. Notre peuple meurt, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, il y a trop d'impunité. Il y a trop d'impunité, ça doit cesser. Il y a trop de complicité. La femme a décidé de parler aujourd'hui. Ressentez l'intensité de son irrésistible cœur gourmand. Cette publicité, c'est le chocolat, mais c'est fait où? En Côte d'Ivoire. Mais plusieurs familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La femme africaine n'arrive pas à nourrir ses enfants. Parce qu'elle n'a pas de moyens, elle est dépouillée. Et les organismes se contentent d'attendre des motions.
En réalité, ils ne défendent que leurs droits à eux. Regardez bien les grandes puissances. Ce sont elles qui gèrent l'ONU, ces grands organismes. Et rien pour le peuple, lambda. Mais tout pour les riches, rien pour nous, le peuple. Oui, nous nous battons, nous nous levons avec l'aide de la force de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous inspire à parler, à dénoncer, et qui nous donne la force d'aller de l'avant, de rester juste honnête, de respecter notre prochain, parce qu'il nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors si on arrive à pratiquer cet amour, il y aura moins d'injustice, d'impunité, moins de violence, moins de morts. 12 millions de morts en RDC, personne ne parle de cela. Personne ne se lève. Des millions de viols. Le viol est utilisé comme arme de guerre en RDC. Personne ne dénonce ça. Oh Dieu, où es-tu? Écoute la voix de celle qui est oubliée, de celle qui est humiliée, de celle qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est la femme africaine, alors qu'elle vit sur une terre riche qui nourrit le monde entier. Et on nous fait croire que nous sommes les plus pauvres au monde, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes les plus riches. Dieu nous a bénis. Mais nous n'allons pas lâcher. Nous avons ce devoir de dénoncer l'injustice. Nous sommes fatigués de pleurer depuis des décennies. Nous devons sortir de cette souffrance. Avec l'aide de Dieu et notre détermination, nous devons avoir du courage. Que Dieu nous fasse grâce de récupérer tout ce qui nous a été volé. Nous n'avons plus de terre chez nous. En Europe, nous ne sommes pas chez nous non plus. Nous nous sommes dépouillés de tout. Levons nos femmes africaines. Sortez, sortons de la peur. C'est la femme qui met au monde. Dieu lui fait grâce de porter un être, de le mettre au monde. Le premier geste qu'elle fait après son accouchement, c'est de donner le sein à son bébé, à son enfant, dont elle est fière. La femme sait aimer. Elle aime quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais elle aime parce qu'elle a porté en son sein. Pendant 9 mois, ils ont eu des temps de complicité, juste des petits coups. Et c'est rien que par ces petits coups que l'amour naît. Elle donne le sein à son bébé qu'elle aime tant. Elle le fait grandir, elle accompagne dans la vie active. Et parfois même, elle perd sa vie ce jour-là. Parfois même, elle perd sa vie. Elle laisse son bébé. La femme est importante dans la société parce que c'est elle qui met au monde. Elle est la génitrice. C'est son jour aujourd'hui. Respect à la femme. Les enseignements que nous avons reçus, l'éducation que nous avons reçue, nous, en Afrique, c'est de respecter notre prochain.
mais nous sommes en train de perdre nos valeurs. Poursuivre ce qui ne peut pas se dire ou se faire appeler éducation, des comportements qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, le respect de sa mère. Cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous sommes en Europe, mais nous voyons ce qui se passe. Beaucoup de liberté. Nos enfants reçoivent de l'influence et nous savons d'où elle vient, du bas monde. Ils apprennent à nos enfants à ne pas nous respecter. Lorsqu'une mère parle à sa fille, à son enfant, lui donne des conseils, certains disent non, tu as le droit de répliquer. Mais le Seigneur ne nous a appris cela. Nous devons écouter notre mère. Eh oui, c'est une promesse d'honorer son père et sa mère afin d'avoir une longue vie. Mais la société d'aujourd'hui est en train de faire dévier l'éducation de nos enfants. Et la femme doit dire non, stop. Stop. Nous devons prôner le respect de son père et de sa mère. Nous aimons nos enfants. Et certes aussi, nos enfants nous aiment. Femme, lève-toi pour chanter tes vertus. Tu as beaucoup à dire. Tu es la femme vertueuse. Tu as des choses à apporter. Il faut un changement. Nous te crions ce jour. Femme, lève-toi et ose dire stop. Stop à toute injustice. Alors bonjour à tous, le message en ce jour, c'est femme, lève-toi et combat. C'est vrai que cette journée est dédiée à la fête des mères, mais nous, nous avons décidé de dénoncer les injustices, les violences qui se passent en Afrique. Les femmes subissent beaucoup et personne n'en parle. Nous avons décidé de nous lever en ce jour et de dénoncer les injustices que nous vivons.
Nous sommes les Africaines. Nous sommes des Bantous et nous voulons défendre nos valeurs. Stop à toutes sortes de crimes et de violences en Afrique. Les femmes résistantes et Amazones appellent à nouveau en ce jour, 27 mai 2018, ce jour réservé à la célébration de la fête des mères. Nous disons, femme, lève-toi pour le combat. Est le cri que nous lançons face aux violences que subissent les femmes en Afrique et à travers le monde. Le respect de la vie, des droits des enfants, des femmes et de l'homme en général, sont de nos jours ignorés, transgressés par les dirigeants de nos États, les détenteurs du pouvoir. Nos États sont devenus des États laxistes, des États de non-droit, parce que ceux qui gouvernent ne protègent plus les catégories les plus faibles et ne garantissent plus la justice pour tous. Aujourd'hui, ils prônent l'injustice, le mensonge. Le quotidien des femmes est dès lors incertain, douloureux, rythmé par la violence, les brimades, les humiliations, la misère et celui de l'enfant sombre et ténébreux. L'Afrique noire, cette terre d'esclaves, de pillage, de spoliation, d'exploitation de ressources humaines et minérales, demeurera encore pendant combien de temps? Cette région du monde brimée et abandonnée? Dites-moi, jusqu'à quand allons-nous regarder, ne rien faire, ne rien dénoncer? Jusqu'à quand allons-nous rester bouche bée, sans dénoncer, sans parler, sans s'insurger? De cette Afrique qu'on dépouille de ses génitrices, de cette Afrique où coule le sang à flot et qui la souille, nous disons non, nous n'en voulons plus. Nous disons non, nous n'en voulons plus. Nous disons non, nous n'en voulons plus. Dans le cadre de la célébration de la fête des mères, nous rendons un vibrant hommage à toutes ces femmes qui luttent sans l'aide des garants des pouvoirs publics, partout où elles se trouvent, pour que les choses changent. Celles vivant sous le joug de la tyrannie, des régimes despotiques, dictatoriaux, putschistes, totalitaires, et qui luttent contre le péril de leur vie. À celles qui ont perdu un fils, un mari, un frère, un proche, que justice soit faite aux femmes maltraitées, privées de liberté de choix, meurtries par la misère, causées par la guerre de pouvoir, de minerais. Nous, femmes résistantes, démocrates et Amazones, réclamons le retrait des bases de l'armée française des terres africaines. Nous réclamons l'abolition du franc CFA. Nous réclamons le départ d'Afrique, les multinationales, Eramet, Bolloré, Areva, Louis Dreyfus, Total et tout le reste qui nous pille. Pour cause. Effet nocif de l'exploitation des mines sur l'environnement et sur la santé des employés et populations environnantes. La radioactivité exploitée par Areva. Il y a des cas au Gabon, dans le Haut-Ogooué. Sans mesure de protection de la part de ces entreprises néocoloniales. Pas de mesure d'accompagnement des sinistrés. Plusieurs femmes sont abandonnées. Ces femmes meurent avec leur cancer. Personne ne s'occupe d'elles. Personne pour les consoler. Pas de dédommagement des malades. Pas de prise en charge des frais médicaux de ces derniers.
taux élevé de cas de cancer observés dans plusieurs localités. Non assistance en la personne en danger. Nous avons vu cela au quartier général de Jean-Pin, où des centaines de citoyens ont été lâchement abattus le 31 août 2016. Création de la misère, cas de Bolloré, qui exploite les ports africains et corrompt les dirigeants africains avec qui il fait des affaires au détriment des populations et qui l'aide à prendre le pouvoir ou à se maintenir au pouvoir. Nos femmes, résistantes et démocrates, amazones que nous sommes, dénonçons les effets néfastes, dévastatrices causés par ces multinationales et condamnons leur négligence. Réclamons des dommages et intérêts à verser aux victimes afin qu'elles puissent se soigner. Comme je le disais tantôt, cas des personnes atteintes de maladies graves dans le Haut-Ogooué et ailleurs, à défaut de leur famille. Par ailleurs, nous femmes résistantes, nous refusons catégoriquement l'expédition des produits pharmaceutiques périmés en Afrique, l'introduction des vaccins à base de molécules stérilisantes pour réduire la démographie en Afrique. Nous connaissons les cas qu'il y a eu depuis plusieurs années, les vaccins au Kenya. Il a été constaté que des jeunes filles ont reçu des molécules qui provenaient tout justement de ces vaccins-là. Et cela a rendu plusieurs stériles. Tout ceci pour stopper la démographie en Afrique, pour que la femme africaine ne conçoive plus, ne mette plus au monde. Nous disons stop, nous disons non, que ça cesse. Nous dénonçons les viols sur les femmes et les enfants. 12 millions de morts au Congo-Kinshasa, c'en est trop, assez. Ça suffit comme ça. Justice doit être rendue. Les privations de liberté d'expression, de choix et de presse. Lorsque nous allons aux urnes, le choix du peuple n'est jamais respecté. Dans nos pays, les journalistes n'ont pas réellement la liberté de presse. Nous connaissons plusieurs cas de femmes qui ont été molestées, les cas de journalistes, femmes qui ont été molestées. Nous connaissons les cas de radio, de télévision en Afrique qui ont été cassés, interdits de publier, d'écrire, de faire quoi que ce soit, d'exercer leur profession. Nous dénonçons tout cela. Nous dénonçons les arrestations arbitraires. À l'exemple de Ndibi Bertrand, d'Hervé Mombo, de Londres Amiens à Washington, Massavala, les disparitions à l'exemple du journaliste guinéen Chérif Diallo, les kidnappings à l'exemple de Boris Eban, qui s'est fait kidnapper il y a 3 jours, les enfants violés par les militaires français en Centrafrique, dont le procès a donné droit à un non-lieu. Nous disons non. Nous voulons la réouverture de ce procès. Nous voulons que les femmes se mobilisent pour que ce procès soit relancé. Il ne faut pas nous faire croire que le viol n'est pas un crime lorsqu'un militaire français le commet sur un enfant africain. C'est injuste. Nous devons nous battre. La femme doit s'insurger face à cette situation. Les séquestrations des personnes opposées au régime au Congo, au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon,
partout en Afrique. Les procès fallacieux, à l'exemple de la condamnation du général Jean-Marie Moukoko, le vainqueur des élections de 2016 au Congo-Brazzaville, aujourd'hui se retrouve condamné et aucune organisation ne s'insurge face à cela. Et nous, les femmes, nous disons non. Nous nous condamnons cette manière de faire, cette manière de procéder par le dictateur en place, Sassou Nguesso. Il doit tout simplement dégager parce que ça fait depuis 34 ans qu'il est au pouvoir. C'est Jean-Marie Moukoko qui est le vainqueur. Il doit gérer le Congo. Nous dénonçons le procès fallacieux de Kombi Salissa et Libongo et bien d'autres du Congo-Brazzaville. Ces honnêtes citoyens ont commis l'erreur de se mettre du côté du peuple et Sassou Nguesso a jugé bon que c'est lui qui doit gérer le Congo et il doit mettre ses adversaires en prison. Tous ceux qui se lèvent contre lui, il les maintient en prison, il les condamne, il les tue à l'exemple du colonel Nchuru. Et la femme ne doit pas se taire. Nous avons toutes vu comment la femme de Moukoko s'est insurgée. Elle nous a écrit, j'ai publié cela sur mon profil Facebook. Nous devons la soutenir, c'est notre combat à toutes. Elle subit. Les épouses de ces personnalités, de ces personnes qui sont emprisonnées en Afrique, elles subissent dans leur fort intérieur. Leurs enfants subissent. Il y a un déséquilibre. Au Sénégal, Macky Sall retient Khalifa Sall, le maire de Dakar. Il le retient en prison injustement. Du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, tous deux de Côte d'Ivoire. De Jean-Pierre Bemba, qui est de la RDC, tous les trois emprisonnés à la CPI. C'est injuste. Et nous savons très bien que dans la crise ivoirienne, c'est la France qui a tout géré. C'est l'ambassadeur de France qui a géré les opérations, toutes les opérations militaires qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous insurger. Nous devons exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Peu importe la condamnation qui leur a été infligée, nous savons que cela est injuste. Ils ne méritent pas ça. Nous voulons qu'Ali Bongo rende les corps de nos enfants. Nous savons qu'il y a des corps en putréfaction dans la morgue de Kasebga à Libreville au Gabon. Mais personne ne dénonce cela. Il y a des mères qui subissent, qui souffrent, qui sont torturées, qui n'ont jamais fait le deuil de leurs enfants. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques au Gabon et partout en Afrique. Nous l'exigeons. La liste, elle est longue. Nous réclamons le rétablissement de la vérité des urnes. Du 27 août 2016 au Gabon et au Congo. Au Congo, c'était le 20 mars 2016. Nous réclamons la vérité des urnes. Et nous disons, en ce jour, stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences faites aux femmes, à nos enfants. Nous disons stop à l'exploitation de la main-d'œuvre infantile dans les mines de la mort au Congo Kinshasa et ailleurs. Dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Nous disons stop aux crimes sur les enfants avec prélèvement d'organes pour ravitailler les puissants de ce monde. Nous disons stop aux enfants soldats. Nous disons stop à la spoliation de l'Afrique sous toutes ses formes. Nous disons stop à tous les crimes humains et économiques. Nul ne relèvera l'Afrique à notre place pour que cesse l'impunité. Au-delà de toute cette souffrance,
au-delà de ces meurtrissures, au-delà de toutes celles qui aujourd'hui ne pourront pas entendre la bouche de leur peut-être unique fils, ou peut-être un de ses fils qu'elle a perdu, entend dire « Bonne fête, maman. Maman, je t'aime. Maman, voici ton cadeau. » Au-delà de tout cela, nous souhaitons à toutes celles qui ne l'entendront pas « Bonne fête, maman. Courage. Tu peux. Si seulement tu le veux, lève-toi et bats-toi. » Femme, lève-toi et ose dire stop. Merci à tous.